L'AJAL, association culturelle implantée en pays Ségalis, a organisé le 16 mars dernier le premier tremplin musical. En lice, trois groupes au style varié. Tout d'abord, Maca Funk, aux sonorités funk, comme son nom l'indique. Monsieur Simil, slammer. Elle en a posé sur un chapeau de forme, se questionne. On lui dit non, pas question. Quelques minutes à vivre à l'échelle de l'éternité avant que sa vie ne se passe. Et enfin, Enloch qui a proposé un rock endiablé. L'événement, parrainé par Hadji Lazaro, chanteur et musicien du groupe Pigalle, a rencontré un vif succès. Fort de ses nombreux bénévoles, l'association a réussi à organiser cette première. Une action saluée par ailleurs par les élus, dont Karine Clément, maire de Nocelles. On tient à remercier l'AJAL pour son investissement, pour sa recherche aussi de bénévoles, mais aussi pour toutes les actions qu'il mène sur les territoires du pays Ségali. Donc là, on va les soutenir. Là, c'était le premier tremplin rock. On espère que ce sera le premier d'une longue série qui va se développer sur le territoire du pays Ségali. Et on est très contents de cet événement. Ça a été un super concert. Donc on est très satisfaits. Ça m'a fait revivre un peu avec Pigalle, un peu de ma jeunesse. Ça fait remonter des souvenirs à la surface. C'était une soirée très très sympathique qui a mélangé un public différent, avec des jeunes, des vieux. C'est le pays Ségali, donc une très bonne soirée. Pour désigner le grand gagnant, c'est le public muni de bulletins de vote qui a dû trancher. Ainsi, Maca Funk a su séduire et remporte donc le premier tremplin des 100 vallées, première édition. Groupe ouvrira la scène lors du Soft Air Festival le 5 mai prochain et bénéficiera donc d'une résidence artistique avec Aveyron Culture.